Le roi Charles III, âgé de 75 ans, est gravement malade, luttant contre une forme non précisée de cancer, ce qui suscite une inquiétude croissante parmi ses proches ainsi qu'au sein du palais royal. Malgré la gravité de sa maladie, il continue d'afficher une apparence en bonne santé, comme en témoigne sa récente réception de l'empereur japonais Naruhito et de l'impératrice Masako à Buckingham Palace le 25 juin 2023, à l'occasion de leur visite d'État. Lors du dîner de bienvenue, le roi semblait être en bonne forme, comme l'a rapporté le magazine OK. Cependant, son combat contre la maladie est loin d'être terminé. Selon des sources proches du roi, son état de santé est jugé très préoccupant. Le magazine Ici Paris affirme qu'il est atteint d'un cancer du pancréas. Un ami du monarque a révélé que ce dernier est résolu à vaincre la maladie par tous les moyens possibles. Charles III est réellement très malade, bien plus que ce qui est divulgué publiquement, a indiqué cette source proche, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat. Le palais a, en outre, mis à jour les plans des funérailles du roi, connus sous le nom de Opération Money Bridge. Ces révisions, qui font suite à la divulgation de son diagnostic en février, tiennent compte des leçons tirées des funérailles de la reine Elisabeth II en septembre 2022.